J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo de recette spéciale simili. Ça fait un petit moment que j'y pense parce qu'il y a pas mal de choses qui me manquent depuis que je suis végane et je me suis dit pourquoi pas essayer de les reproduire tout simplement. Donc vous allez avoir du coup la surprise de voir un cervelas à l'alsacienne, donc plat typiquement alsacien et qui est le plus facile à faire et à réaliser. Vous aurez également d'un autre côté un cordon bleu maison. Donc contrairement à tout ce que j'ai vu sur internet, celui-ci ne sera pas à base de 7 ans, même s'il faudra que je tente cette recette. Mais j'ai voulu faire au plus simple pour que vous puissiez reproduire la recette chez vous avec des ingrédients certes simili, pas forcément trouvables à votre près de chez vous, mais que vous trouverez facilement sur le site officiel Vegan Shop. Alors je précise que la vidéo n'est pas du tout sponsorisée, hein. C'est quand j'ai fait mes achats lors de ma précédente vidéo, donc je vous y renvoie si vous ne l'avez pas encore vue. Donc j'ai acheté pas mal de simili sur ce site, et donc du coup c'est facile pour vous de trouver les mêmes ingrédients, en tout cas sur ce site. Et sinon, on part aussi sur une recette de falafel. Alors rien de bien... compliqué, tout le monde connaît les falafels, tout le monde a une recette de falafel, mais la mienne est différente dans le sens où j'ai voulu reproduire celle qu'on trouve chez Grand Frais, parce que ces falafels, je les adore, vraiment, ils sont vraiment super bons, bien épicés et tout, et en fait, quand j'ai regardé les ingrédients qu'il y avait dedans, ils sont un peu différents de ce qu'on trouve dans les falafels d'origine, et je pense que c'est ça qui change tout. Donc j'ai eu l'idée de reproduire la recette en me fiant aux ingrédients, donc on va voir si ça a été une réussite, parce que j'ai testé les deux autres, mais pas celle-ci, donc on va tout faire en temps réel. Bon bah c'est parti, on part dans ma cuisine. Alors on commence cette première recette par le cervelas à l'alsacienne. Donc pour cela vous allez avoir besoin des ingrédients suivants que je vais vous présenter juste là, puisque comme j'ai déjà ouvert les paquets, je ne peux pas vous les montrer en temps réel, donc je vous montre la photo. Donc vous aurez besoin de saucisses véganes, donc j'ai pris celles de la marque Viana qui pour moi sont vraiment très bonnes et représentent un très bon simili de saucisses blanches. Donc vous le trouvez facilement en magasin bio, mais sinon vous le trouverez sur Official Vegan Shop, comme je vous l'ai dit précédemment, mais vous, de toute façon, vous aurez les infos dans la barre d'infos, comme d'habitude. Vous aurez également besoin de fromage. J'ai choisi donc celui de la gamme BioKnife, que j'adore. Donc là, j'ai pris l'emmental en bloc, puisque c'est beaucoup plus pratique pour ce que je vais faire avec. Et sinon, pour le bacon, donc j'ai pris celui de la marque Next. Donc c'est le seul à l'heure actuelle que je connais. Je sais qu'ils commencent à en sortir d'autres, mais qui ne sont pas encore disponibles pour l'instant. Donc j'ai hâte de goûter une autre variante. Mais en tout cas, je suis déjà assez contente de celui de chez Next, que je vais donc vous proposer aujourd'hui. Bon, bah c'est parti pour la recette. Alors, c'est tout simple. Vous prenez donc la saucisse. Vous faites une fente au milieu avec un couteau. Donc assez large pour glisser le fromage. Donc vous n'hésitez pas à écarter avec les mains. Mais il ne faut pas que la saucisse se casse. Voilà, comme ça. Ensuite, vous prenez donc votre bloc d'emmental BioLife. Vous en coupez un fin bâtonnet. Voilà. Et vous le glissez dans la saucisse. Donc vous voyez, jusque-là, rien de compliqué. Voilà. Donc là, à l'origine, il faudrait enrouler donc deux bacon, la saucisse, et cuire le tout au four. C'est ce que j'ai fait pour mon premier test, mais le bacon, je trouve que au four, il est trop croustillant et qu'il perd de sa saveur. Donc je le préfère cuit à la poêle. Donc c'est ce que je vais faire. Donc du coup, je vais mettre ça à cuire au four. Et ça à la poêle. Et ensuite, on regroupera les deux pour dresser l'assiette. Alors, vous mettez donc la saucisse dans un plat adapté au four et vous le mettez à 200 degrés pendant 15 à 20 minutes. Donc, à surveiller, bien sûr. Du coup, dans le même temps, je mets à griller le bacon. Du coup, le bacon est cuit. Donc, je l'ai mis sur du papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile. Donc, on réserve le temps de finir le reste. Bon, je continue cette vidéo avec mon iPhone puisque mon réflexe a rendu l'âme. Donc c'est le problème quand on n'a qu'une seule batterie pour le moment.
Donc du coup, je prends ma saucisse. On va rajouter donc les lamelles de bacon. Donc attention à ne pas vous brûler. Et voilà le résultat. Miam miam. Place à la dégustation. Déjà bien voir l'intérieur avec le cœur coulant de fromage. Alors pour la deuxième recette qui est le cordon bleu, donc je vais réutiliser exactement les mêmes ingrédients que tout à l'heure, c'est-à-dire le fromage de Violife et le bacon de chez Next. Alors à la base je l'avais fait avec plutôt du poulet, avec la base poulet de Violife et la mozzarella qu'on trouve facilement en magasin bio. Mais je sais pas, je trouve que ça n'a pas forcément bien le goût du cordon bleu. On sentait pas assez le poulet à mon goût, même si j'en mettais plus, je suis pas convaincue qu'on le sentirait bien. Et au niveau du fromage, pareil, j'ai trouvé que ça avait pas l'air comme d'un cordon bleu, même si c'était très bon. Donc du coup, là, j'ai plutôt tenté la recette avec le fromage de Life à l'emmental et avec le bacon pour que ce soit beaucoup plus fumé. Donc par contre, pour faire le côté poulet qui enrobe, donc qui est fourré au fromage et au jambon, et après qu'on va mettre la panure, vous allez avoir besoin donc de ces steaks de soja de chez la marque Fantastic Food. Donc ils sont franchement très bonnes, c'est vraiment assez bluffant. Donc c'est un peu comme des PST, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à ça, tout simplement. On dirait même des Weetabix version ou des Waza, par exemple. Donc c'est un peu dur comme une biscotte. Donc du coup, ça vous le cuisez dans un bouillon de légumes. Donc là je vais mettre un bouillon pas de légumes mais de poulet, pour que ça a un peu le fumé du poulet. Donc il faut le cuire 15-20 minutes dans un bouillon bien chaud. Et ensuite, bah, je vais l'égoutter comme le tofu pour qu'il y ait pour que toute l'eau parte. Et ensuite, je vais donc le fourrer avec le fromage et le jambon, le paner et le cuire à la poêle, tout simplement. Voilà, donc rien de compliqué. Le plus long, ça va être de cuire le faux steak. Donc, bah, c'est parti. Donc moi, j'utilise ce bouillon qui est bien vegan et qu'on trouve en magasin asiatique. Donc là, comme j'ai mis à peu près 1 litre d'eau, donc ça sera une cuillère à soupe. Donc deux bouillons. Si jamais vous ne trouvez pas ce bouillon, je vous conseille également celui de la marque des Écoïdées. Donc celui-là est saveur bœuf, mais je sais qu'il existe saveur poulet. Et celui-là, je l'ai trouvé en magasin bio. Donc du coup, justement, quand j'aurai fini celui qui est asiatique, je pense que je prendrai celui-là parce qu'il est biologique et ce qui sera beaucoup mieux, je pense, au niveau des ingrédients. Voilà, donc dans l'eau bouillante, vous pouvez donc mettre votre steak de soja. Et faire en sorte qu'il soit bien imbibé. Donc n'hésitez pas à le retourner de temps en temps parce qu'il va rester au-dessus de la surface. Donc pour que ça cuise uniformément. Donc vous comptez entre 15 et 20 minutes environ. Voilà, le steak de soja est cuit. Donc du coup, je vais le mettre dans une assiette avec du papier absorbant pour qu'il puisse éponger toute l'eau. Parce qu'il est bien gorgé d'eau. Voilà. Je vais donc rajouter du papier absorbant par-dessus. Et pour bien presser, je rajoute du poids par-dessus. Voilà. En attendant, on va préparer la panure. Donc vous allez avoir besoin d'environ 20 g de farine, une cuillère à café de maïzena, un quart de cuillère à café de sel et 30 ml d'eau à température ambiante. Et on mélange tout. Et dans une autre assiette, vous mettez un quart de cup de chapelure. Alors, on regarde si c'est bien égoutté. Donc là, c'est le cas. Donc on enlève le papier absorbant. Du coup, je le presse encore un peu entre mes mains parce qu'il y a encore pas mal de jus, je trouve. On va donc fourrer notre cordon bleu, donc avec le bacon et les tranches de fromage que j'ai coupées au préalable. Voilà. Donc, on le... Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire la panure. Du coup, je réutilise la poêle que j'ai utilisée tout à l'heure pour cuire le bacon. Comme il y a encore pas mal d'huile, ça sera très bien. Et dès que c'est bien chaud, je vais mettre donc mon cordon bleu.
petit couvercle pour que ça fonde à l'intérieur. Et voilà la petite merveille. Donc on va goûter ça. Et voilà, donc bien fourré comme il faut avec le fromage et le bacon. Donc voyons voir si c'est meilleur qu'avec la mozzarella et le jambon Vieux Life. Du coup, pour la troisième recette, donc pour reproduire les falafels de grands frais, nous allons avoir besoin donc de pois chiches, évidemment, de fèves, d'une petite carotte qu'il faudra râper, un oignon, farine de pois chiches et farine de blé, et pour les épices, du cumin, persil, coriandre, sel, poivre, et des graines de lin avec de l'eau, donc sûrement pour lier la préparation. Donc la seule chose qui me manque, c'est du piment et un zeste de citron, mais j'ai pas de citron pour faire le zeste, et puis en général quand il y a des zestes, je n'en mets jamais, et le piment, je suis pas très fan, donc on va l'omettre. Mais je pense pas que ça change drastiquement la recette. Donc on va faire déjà avec tout ça. Bon, bah c'est parti. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de râper la carotte et de moudre les graines de lin. Donc c'est parti. Quand vous avez moulu vos graines, vous les mettez dans un autre récipient et vous les mélangez avec 2 cuillères à soupe d'eau. Voilà, on va laisser poser 10 minutes. Du coup, maintenant, on va mixer le tout. Donc moi, dans mon Monsieur Cuisine, mais vous pouvez très bien utiliser un robot lame S. Donc on commence par les pois chiches et les fèves. Donc il y a 240 g de pois chiches et 200 g de fèves. On rajoute la carotte râpée et l'oignon. Alors, une fois que vous avez obtenu une pâte un peu grumeleuse comme celle-ci, vous rajoutez le reste des ingrédients. Je rajoute donc les farines. Donc il y a 30 g de farine de blé et 20 g de farine de pois chiches. On rajoute les graines de lin qui ont bien gonflé. Au niveau des épices, donc le cumin. Donc là, j'y vais un peu à l'œil. Hein. Mais je pense que c'est le cumin qui est dominant dans les falafels. Du persil. De la coriandre. Sel, poivre. Remixe tout. Bon, je pense que niveau tenue, c'est nickel. Donc, on va former les boulettes de falafel. Bon, du coup, je vais faire une première fournée au four et le reste, je vais le faire dans la air fryer pour voir la différence au niveau de la cuisson. Donc, bah, c'est parti, 180 degrés, environ 20-25 minutes. Du coup, pendant ce temps-là, on va préparer la sauce blanche. Donc, on va commencer avec 100 g de yaourt de soja nature. Ensuite, une cuillère à café de moutarde. On mélange le tout. Puis on passe aux épices, donc ici on va mettre du cumin, une demi-cuillère à café, ensuite une demi-cuillère à café d'ail semoule, un quart de cuillère à café d'herbe de Provence, un quart de cuillère à café d'échalote, un quart de cuillère à café de persil, quelques tours de moulin du poivre, et un petit peu de sel. Alors attention, juste une petite pincée. On mélange. Et vous pouvez donc la réserver au frais. Bon, c'est l'heure de la dégustation. Donc ça, c'est les falafels de grands frais. Et ça, c'est les miens. Alors au niveau de la couleur, déjà, il manque quelque chose. Et moi, je les ai fait un peu plus gros. Alors ceux-là, ils ont été faits à l'air fryer. Donc un quart d'heure. Et ils sont bien croustillants. Et cela au four une demi-heure pour que ça soit croustillant. Mais du coup, c'est un tout petit peu plus doré. Alors, normalement, il faudrait les faire frire dans un peu d'huile. J'ai complètement zappé.
de mettre un petit peu d'huile dans l'air fryer ou dans le four. Et parce que normalement, c'est frit avec de l'huile de tournesol. Donc, soit vous le mettez à la friteuse, soit dans une poêle, soit au four comme moi. Après, à voir si vous voulez faire ça plus ou moins healthy. Mais en tout cas, pour que ça se rapproche de la version d'origine, il faut normalement de l'huile. Bon, bah écoutez, on va goûter ça et on va voir si c'est bon. Bon, bah c'est l'heure de la dégustation et j'ai pu reprendre mon réflexe pour filmer la vidéo. Du coup, bah, on va commencer par ceux du air fryer. Donc, voyons voir. Très bon. Par contre, peut-être pas assez cuit au centre. Donc, j'aurais peut-être dû les laisser un peu plus longtemps au air fryer. Du coup, je vais en goûter un au four. Pareil, au milieu, ils sont vraiment comme s'ils n'étaient pas assez cuits. Mais ça change en fait, c'est super bon. Parce que du coup, ça fait des falafels moelleux au milieu et croustillants à l'extérieur. Donc j'ai inventé quelque chose. Et donc j'avais réchauffé les vrais falafels de grand frais pour comparer, mais je pense qu'à mon avis, ça ne va pas du tout être pareil. Non. Non, malheureusement, j'en suis loin. Donc c'est un fail. J'ai pas réussi à reproduire la recette. Mais ça n'empêche pas que même les miens sont très bons. Donc du coup, j'ai quand même inventé une recette. Je peux être fière de moi. Du coup, je reprends les miens et je vais goûter avec la petite sauce blanche. Bon, ça se marie super bien. Bon, c'est bon quand même. C'est le principal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous allez essayer de reproduire les recettes chez vous. Franchement, les recettes sont vraiment trop trop bonnes. À part le fait que c'est quand même assez bourratif, je vous l'avoue. Surtout moi avec mon bypass, c'était quand même assez chaud. Mais franchement, c'est assez bluffant. Alors bien sûr, ça ne ressemble pas à l'original, mais je trouve que ça s'y prête quand même pas mal. Pour avoir fait goûter à mon homme omnivore qui lui est pas très simili, il a adoré le cervelas à l'alsacienne et donc du coup bah ça il l'a complètement validé, il trouve que c'est quand même assez ressemblant. Et pour le cordon bleu, donc après il trouvait justement que ça faisait pas assez fromage et qu'on sentait pas assez le poulet, donc c'est pour ça que j'ai modifié, que j'ai mis le bacon avec l'emmental Violife et en effet après avoir goûté ça détrône largement, c'est bien meilleur que la dernière fois. Voilà. Après, il faut aimer le steak de soja, donc ça, je sais pas, moi, c'était une première fois que je goûtais. C'est franchement pas mauvais, hein, c'est très bon. Après, c'était la forme hein, qui m'avait fait prendre ce simili-là, pour justement faciliter de faire le cordon bleu. Mais sinon, de base, ça serait mieux de faire ça avec du seitan, je pense, ou avec des aiguillettes de poulet. Mais le problème, c'est comme elles sont coupées en petits morceaux, il faudrait essayer de, bah, soit de remixer, de reformer un espèce de steak. Enfin, ça serait un peu plus galère, hein. J'ai voulu vraiment faire au plus simple pour ces recettes. Et du coup, bah, le steak de soja, franchement, bah, c'est très bon quand même. Hein. Après, il y a peut-être moyen de l'assaisonner un petit peu plus. Dans le bouillon de poulet, c'est pas suffisant à mon goût. Je sais pas, peut-être qu'il faudrait que je mette des épices après coup, ou que je le cuise un minimum à la poêle peut-être, avant de le frire, avant de le paner, de le frire peut-être. Je sais pas. C'est vrai que je tâtonne encore hein, à créer des recettes, mais en tout cas, il était très bon et c'est le principal. Alors, faut juste savoir que le steak de soja, du coup, il est à base de farine de soja déshydratée, tout simplement, c'est tout ce qu'il y a dedans. Donc, si vous n'êtes pas fan de soja, forcément, ce ne sera pas adapté pour vous. Mais à ce moment-là, n'hésitez pas à essayer de trouver une recette, ben, il y en a pas mal sur le net avec le seitan, donc pour faire le cordon bleu. Mais ça sera sûrement un peu plus long à faire, ça c'est sûr. Et sinon, ben, si vous n'avez aucun souci avec le soja, ben, je vous invite à tester, franchement, ça vaut le coup. Quant au falafel, bon bah un peu déçu puisque je n'ai pas du tout réussi à reproduire ceux de grands frais. Là, c'est pour ça que je les avais achetés aussi pour goûter en temps réel parce que des fois on pense savoir que ça se rapproche et puis finalement bah non. Et là, je confirme que non, non. Non, ça se rapproche pas du tout. Il y a une grosse différence au niveau du goût malgré que les ingrédients, bah c'est que c'est les mêmes. Mais donc peut-être que finalement le fait qu'il y ait un peu de zeste de citron, peut-être qu'il y ait un peu de piment, ça change peut-être la donne. Bon, le piment, je pense que ça joue surtout sur la couleur, après je sais pas, en tout cas ça il reste quand même super bon. Si en plus vous voulez changer des falafels classiques qui sont croustillants ou croquants, bah là c'est moelleux et croustillant à l'extérieur,
Donc c'est vrai que ça fait comme un cœur coulant, donc c'est... Voilà, je suis assez fière d'avoir inventé quelque chose qui n'existe pas. Donc voilà, et puis je vous invite fortement à faire ma petite sauce blanche que j'ai faite moi-même et qui franchement vaut le coup. En fait, je m'étais inspirée d'une recette que j'avais vue dans un restaurant vegan. Ils avaient mis la composition de ce qu'il y avait dedans et du coup, bah, j'ai essayé de la reproduire tranquillement à la maison et franchement, j'en suis contente. Donc du coup, maintenant, à chaque fois que je fais une sauce blanche maison, bah, je fais celle-là, tout simplement. Du coup, pour la prochaine vidéo, je vous donne un petit indice pour la prochaine fois. En fait, bah, ça sera sur le thème de Noël, donc ça, trop facile. En fait, je vais surtout tester pas mal de recettes pour voir lesquelles je vais utiliser à Noël cette année, parce que j'aimerais changer. Et du coup, bah, par rapport à ce que j'aurais testé et que j'aurais apprécié, et bah, je vous les partagerai tout simplement, je pense, dans une journée dans mon assiette, pour vous montrer ce que j'ai choisi de faire à Noël, pour vous donner donc du coup des idées pour vous si vous ne savez pas du tout quoi cuisiner à Noël. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!